Ta parole m'empêche et veut que moi je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je te vois à monter, à commencer. Ta parole, oh mon Dieu, une minute de prière, une minute de prière, parce que ta parole. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Break my spell, demande de prier, demande, demande à Dieu de te toucher. Enseigne-moi ta mystère. Oh mon Dieu, prends pitié de moi. Amen, 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 mon Dieu, amen. Merci Seigneur, mon Dieu, merci Seigneur, amen, amen. Je vais baisser le micro, je vais baisser le micro. Merci Seigneur. Voilà, très clair, on va passer dans la parole de Dieu, on va passer dans le mystère de Dieu, on va entrer de plein fouet là où on s'est arrêté hier. On parlait de la réputation des faux pasteurs, la fausse réputation des faux pasteurs, des faux ouvriers, des faux messagers, c'est-à-dire des ouvriers trompeurs. On va prendre le vol là où on s'est arrêté hier et on va entrer en profondeur. Donc on va parler de la réputation du faux prophète avec ses faux ministres ou bien alors la réputation ou la renommée de Jésus-Christ, la renommée vivante, la renommée vainqueur. Vous entendez dire que plus telle personne est réputée, est renommée. Quand vous arrivez, vous voyez seulement que cette personne a un grand nom, mais Jésus est petit. Son nom à lui est plus grand. Quand tu arrives pour comprendre que le mystère de Jésus-Christ, le mystère de la croix, la révélation du témoignage, tu vois que c'était pas ça, c'était son nom à lui qui est plus grand. Quand tu viens à lui avec la soif d'aller au ciel et d'éviter le feu éternel, quand tu n'as que dans ton cœur, dans le ciel, tu ne veux pas aller pour les milliards de siècles brûler au feu. Tu fuis, tu crains Dieu. Tu viens pour que ton cœur s'attache au ciel. Tu veux écouter la parole solide de Jésus-Christ. Quand tu arrives, tu vois que c'est un faux prophète. Il va encore commencer à t'enseigner le AB que tu as tel problème sur la terre. Il va faire que telle chose arrive. Toute la prédication qui va sortir de l'autel, ça sera pour te montrer que lui, il est bien, que lui, il est heureux. Il va susciter la convoitise dans ton cœur et tu vas te lever de là. Tu dis qu'il est bien d'être pasteur, il est bien d'être prophète. La vie est facile, la vie est brillante. On va me donner les dîmes, on va me donner les offrandes. Regarde comment il témoigne. Il dit qu'il n'était rien. Dieu l'a élevé. Maintenant, il est pasteur. Il vit bien. Il était pauvre avant. Maintenant, il est riche. Regarde comment, quelle voiture sa femme a. Regarde comment lui-même il... Toi, tu es encore pauvre. Toi, tu as encore une petite ou bien petite employée quelque part. Quand est-ce que tu vas être glorifié comme lui? Voilà la fausse doctrine. Voilà le faux prophète. Il n'est pas celui que Christ a envoyé. Il est plus réputé que Jésus-Christ. Son nom est plus grand que Jésus. On va regarder alors aujourd'hui pour savoir est-ce que c'est la réputation de Dieu ou bien la réputation du diable? Est-ce que c'est la renommée de Christ ou bien alors du diable?
Est-ce que c'est Christ qui est assis dans ton cœur, qui est glorifié, ou bien c'est le diable? Somme 138. On commence à regarder la renommée, la réputation du roi de gloire, le roi du ciel et de la terre, la résurrection et la vie. La Bible dit dans Somme 138, à partir du verset 1 à 2, je vais m'arrêter là pour expliquer. Il dit, le roi David dit, de tout mon cœur, important, il est sanctifié, il est purifié, il n'a pas d'idole, il se considère comme un petit chien, c'est ce qu'il disait au roi Saül. Il dit que contre qui est-ce que tu es en marche? Tu marches contre un chien. Contre qui est-ce que tu es en marche? Tu marches contre une puce. Donc c'était quelqu'un de méprisable. Et il dit qu'il va plus se glorifier de son mépris afin que Dieu l'élève. C'est-à-dire que Christ s'élève en lui. Il est assis sur le trône de Christ dans l'humilité complète et il célèbre Dieu de tout son cœur. Il dit que je te célèbre. Il ne célèbre pas quelqu'un d'autre avec les lèvres et puis le cœur est dans le monde. Non, il célèbre de tout son cœur. C'est lui qui dit que fais de l'Éternel ton plaisir le plus grand et il te donnera ce que ton cœur désire. Dans son cœur désire l'Éternel. Il célèbre Dieu 7 fois par jour, dans la plénitude du temps de la force de Jésus-Christ, de l'agneau qui a les 7 cornes, tu comprends, et les 7 yeux. Il est présent dans toutes les 7 églises dont Jésus-Christ l'a pris pour le mettre sur sa place, sur son trône. Oui, le Seigneur lui a donné le trône avant qu'il n'arrive. Et voilà, donc la Bible dit qu'il célèbre Dieu de tout son cœur. Il chante les louanges dans la présence du Dieu vivant. Tu comprends? Donc il célèbre Dieu. Il célèbre le témoignage de la force de Dieu qui lui a donné la victoire sur ses ennemis. Tu comprends? Voilà ce que David représentait, la force de Dieu. Premièrement, la force qu'on chante, c'est la force de la sainteté. La Bible dit dans le livre de Josué que voilà, quand tu méditeras cette parole, nul ne tiendra devant toi. Voilà ce qu'il dit à Josué, que ma force, c'est ma sainteté. Ceux qui sont saints, c'est eux qui chantent ma force. Quand David a péché, il a pris fuite devant son fils Absalom à cause du péché. Donc, il chante la sainteté. Il faut bien comprendre, hein? Il chante la pureté de cœur qui loue Dieu. La Bible dit que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur, dans son cœur est au ciel. Tu comprends? Il est un vrai adorateur. Il connaît la présence de Dieu. Il est plus conscient de la présence de Dieu qu'il n'est conscient de la parure, de l'apparence, de son paraître. Non, de son image. Il n'a pas de son image. L'image, ceux qui sont conscients de leur image, c'est ceux qui ont la réputation du faux prophète et la renommée du faux prophète. Et leur renommée s'accroît dans le péché dévastateur, tu comprends? Le péché, c'est-à-dire que le mystère du péché, qui est la vie de la chair, qui est caché dans la chair. Quand tu ne connais pas, tu crois que le péché c'est mentir, voler. Jésus dit qu'il connaît que le péché est dans le sang, et dans la première vie, et dans l'âme de la chair. C'est pourquoi il a crucifié les passions, les désirs, les ambitions personnelles. Satan n'a pas de problème tant que la chair vit encore. Il sait que personne ne parle au ciel. Il connaît bien la parole. Il connaît bien la Bible. Il sait que la Bible parle de la parole vivante. Il sait que la Bible, c'est la lettre qui parle de la parole vivante, qui est 3 fois 1, qui ne peut pas laisser passer le péché. Et la tache sur le vêtement d'un chrétien, il ne peut pas laisser passer. Donc, les prophètes et les pasteurs qui disent que leur renommée est grande et ils n'ont pas le mystère de la purification des péchés, ils n'ont pas la soif de voir Christ assis sur le cœur, sur le trône des cœurs des frères, et ils ne sont pas de Dieu. On va regarder très clair. Celui, David avait soif, il dit que j'ai soif de ta présence. Et Jésus dit que c'est celui qui a soif à qui je donnerai
les fleuves d'eau vive. Vous voyez les grands noms aujourd'hui, ils n'ont pas soif de Dieu. Ils enseignent au peuple qu'elle continue à avoir soif des choses de la terre. Christ va t'élever, Christ va te récompenser. La présence de Dieu ne satisfait plus les chrétiens aujourd'hui. Je parle de la fausse réputation et de la fausse adoration qu'on donne aux faux prophètes. On dit que c'est Jésus. Ils prennent le nom de Jésus et ils mettent ça dedans et la foule qui est maudite, voilà, la suit, l'esprit, et disant que voici l'Éternel qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Ils adorent le veau d'or, et disant que le veau d'or, c'est l'Éternel. Ils dansent devant le veau d'or, et disant que le Seigneur Jésus est populaire. Regarde comment on l'aime. Je t'adore, Dieu mon Père, avec le cœur de l'idolâtrie, avec le cœur de la représentation, avec le cœur qui est imbu de ta personne, le mystère de la fausse adoration, le mystère du faux témoignage, le faux prophète, la fausse renommée, une renommée des pécheurs, des menteurs, des gens qui se plaisent dans le plaisir, en plein jour. Ils ne sont pas de Dieu, c'est une fausse renommée. Pas de réveil, c'est le faux réveil, le réveil du péché, le réveil du levain. Tu comprends la multitude lâche et spacieuse. Le psaume 138 dit que je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. Important, le nom de Jésus, que lui célèbre. Donc il ne veut pas qu'on célèbre son nom. Très clair. Voilà, il veut qu'on célèbre Christ en lui. Il a chanté, il a écrit les psaumes, beaucoup de psaumes. Le psaume de David, les frères qui ont eu la grâce d'arriver au ciel, disent toujours que David danse tout le temps qu'ils sont là-bas. David ne fait que célébrer. Il danse, il célèbre la force de Dieu. Ce n'est pas ton danser à toi. Toi, tu es un pécheur. David est selon le cœur de l'Éternel. Donc il avait le cœur de Jésus. Il avait reçu la promesse. Donc il célébrait Dieu parce que Dieu a accompli à son endroit sa promesse. Dieu est fidèle. Il connaissait bien Dieu. On parle de la renommée de Jésus-Christ ou la renommée du faux prophète. On parle aujourd'hui du réveil de Jésus ou bien du réveil du faux prophète. Tu comprends? C'est à toi d'examiner parce que le faux prophète, les faux docteurs sont déjà entrés dans l'église, dans le monde. Oui, ils implantent des dupliques, ils font des représentations du véritable et ils emportent la multitude. Tu comprends? La contrefaçon est déjà en vigueur. Donc, prenez garde. David a dit, je te célèbre ton nom. On sait que le nom de Jésus, c'est d'abord le nom d'une personne renvoie à son caractère. On a vu que quand Jacob avait le caractère de voleur, de tricheur, alors Dieu lui a dit, quel est ton nom? Il a dit Jacob. Dieu lui a dit que ton nom n'est plus Jacob, ton nom c'est Israël. Important, tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu es sorti vainqueur. Donc le nom que je te donne, c'est le nom de Jésus. La seule personne qui a lutté avec Dieu et les hommes et qui est sorti vainqueur, c'est lui qui a plaidé avec Dieu, qui a eu les hommes et qui a justifié les hommes. Le trait d'union, le médiateur de la nouvelle alliance, c'est son nom que tu as, Israël, l'élu de Dieu. Donc voilà le nom renvoie à la sainteté. Donc, quand on parle de quelqu'un, on fait référence à son âme, à son esprit. On a déjà étudié. Quand on parle de Jésus-Christ, Jésus a une âme. Tu comprends? Donc, au nom de Jésus, quand je célèbre le nom de Jésus, je célèbre l'âme de Jésus. Et l'âme de Jésus, c'est dans son sang. Donc, c'est dans le sang qu'on connaît la célébration. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils l'ont vaincu, c'est-à-dire le faux prophète, la fausse célébration. Ils l'ont vaincu par l'âme, c'est-à-dire que par le sang de Jésus. Premièrement, il faut comprendre. Donc, par la nouvelle vie, la vie qui n'a pas de levain, l'âme qui n'est pas l'âme de la chair, qui est pécheur. L'âme que nous mangeons, l'âme que nous vivons, c'est l'âme de la chair de Christ. Tu comprends? Donc, on vit par son sang qui nous a purifiés et qui nous fait vivre. Donc, quand on dit au nom de Jésus, on fait référence à Jésus, son âme. D'abord, quand tu appelles quelqu'un, la personne vient, il vient avec son corps, il vient avec son âme, il vient avec son esprit. La Bible dit que Dieu va nous
sanctifier le corps, l'âme et puis l'esprit. Donc l'être entier va être sanctifié. Et cet homme qui est sanctifié reçoit un nom nouveau. Alors, tu ne peux pas donner le nom à ce qui n'a pas un esprit ou bien une âme. Donc je célèbre ton nom. Ça veut dire que je célèbre le sang de la nouvelle alliance. Je célèbre l'âme de Jésus-Christ. Je le connais par le sang. Je le célèbre, le saint. Celui qui se différencie des autres par son âme et par son esprit. Les autres peuvent prendre la représentation de son corps, mais prendre son âme et prendre son esprit, c'est impossible. Tu comprends très clair. Donc, on voit clairement que l'âme, c'est la vie de sainteté de Jésus-Christ qui nous donne un remplacement de la vieille vie qu'on avait avant. Je te célèbre, donc il célèbre le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. Donc il célèbre Dieu en esprit et en vérité. Il chante la bonté de Dieu et la fidélité. Tu vois, pourquoi le mot fidélité? C'est important. Donc dans le livre, dans le verset 2, la Bible dit que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Il parle de fidélité. La fidélité est importante. Il dit que tu auras la fidélité pour pâture. La fidélité, ça veut dire que Dieu est fidèle. Il s'appelle, Jésus-Christ s'appelle le témoin fidèle. Dans le livre d'Apocalypse, le témoin qui est fidèle, ça veut dire qu'il est présent à tous les temps de ta vie. Dans le passé, dans le présent, dans le futur, il est là-bas, il est témoin de la fidélité. Il est le Amen véritable. À chaque fois qu'on parle de son témoignage, c'est accompagné de Amen. Donc l'accomplissement, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement, donc sa renommée. Donc on parle de lui parce qu'il a accompli, tu comprends? Donc sa renommée ne peut pas s'accroître s'il est infidèle. Tu comprends? Il faut bien comprendre. On parle aujourd'hui de la renommée de Jésus ou bien la renommée du faux prophète. Tu comprends? Quand quelqu'un va venir, on dit c'est un grand pasteur, il prêche bien, tu vas regarder s'il est dans la crucifixion du péché. C'est-à-dire que la crucifixion de la vie du vieil homme avec ses passions, avec ses désirs. Et s'il est ressuscité avec Jésus-Christ dans le sang de Jésus pour célébrer la Pâque de Dieu, pour célébrer la résurrection, pour célébrer la nouveauté de vie, qui s'en fout des choses de la terre, comme l'apôtre Paul a dit, que ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regardais comme une perte, et même je regarde toutes choses comme la boue afin de gagner Christ, le Saint Trésor. Tu comprends? Le Saint Trésor. Écoutez bien, quand on va parler de sa popularité, et l'apôtre Paul dit que, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, je regarde toutes choses comme la boue. Tu comprends? Donc, à cause, c'est-à-dire que si tu dis que tu connais Jésus et que tu as une grande réputation qui vient de Jésus et qui est celle que Jésus-Christ t'a donnée, qui est la sienne déjà, alors tu dois, dans ta prédication, regarder toutes choses comme la boue. Comme Jésus lui-même a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le Canada, tous les États-Unis, toute l'Afrique, tous les continents, l'Asie et autres, s'il perdait son âme, c'est-à-dire que tout l'argent, les avions, toutes les Mercedes, toutes les maisons, tout le monde travaille pour toi, pour que tu sois riche. Jésus dit que quand bien même tout le monde travaillerait pour toi, mon frère, que tout l'or qui est en Arabie, partout là-bas, le pétrole, toutes les richesses de la mer, toutes les cargaisons d'or, mon frère, quand bien même on donnerait cela à un seul homme pour sa vie sur la terre, cela ne lui servirait à rien comparé à son éternité. Donc si tu dis que tu connais Jésus et que la réputation là, c'est celle de Jésus, mon frère, il faut que tu sortes avec les bombardements terribles contre le monde, contre la chair, contre la vanité, contre l'âme du péché, contre tout ce qui sort de la terre qui est maudit. Tu comprends? La terre est maudite. Tu comprends? Et nous sommes sous une nouvelle terre, en tant qu'une nouvelle créature, dont la prospérité, la gloire,
L'adoration, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous dans les lieux élevés. Il nous a recréés. Il a dit, bâti des maisons pour nous au ciel. Il nous a revêtus de l'immortalité. Il a dit que c'est vous. Il a fait une promesse qu'il a accomplie. Tu comprends? Et sa renommée, donc, se grandit quand son témoignage est révélé. Tu comprends? C'est quand son témoignage, c'est-à-dire que quand les gens quittent le monde, ils détestent leur vie. Comme lui-même, il a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il déteste sa propre vie. Tu comprends? Sa propre vie. Là, je m'arrête avec toi, homme de grande renommée. Quand tu vas attirer la foule, tu vas montrer à la foule que, regardez, vous souffrez sur la terre. La souffrance n'est pas une bonne chose. Alors, je vais vous solutionner, je vais vous donner des solutions. Venez à Jésus, il va arranger votre vie sur la terre. Voilà, et puis tu mets en exergue un Jésus qui vient arranger la vie sur la terre. Tu enseignes aux gens que la souffrance du feu éternel, ne vous en faites pas de cette souffrance. En fait, vous plutôt de la souffrance de la terre. Vous comprenez? Voilà le mystère là. C'est là-bas où ça se passe. Si quelqu'un sait qu'il y a le feu éternel, il va immédiatement rejoindre Jésus sur les affirmations de Jésus. Que quand te servira-t-il alors? Quand tu viens à l'église et qu'on te parle d'une autre chose, au lieu de te parler de la grande souffrance qui a le feu éternel, mes amis, renoncent à eux-mêmes et ils détestent leur bonheur sur la terre parce qu'ils ont un bonheur éternel à gagner. C'est ce qu'on appelle la crucifixion et le renoncement à soi-même. Ils ne cherchent plus eux-mêmes, mais ils me cherchent et ils me cherchent de tout leur cœur, de toute leur âme et ils me connaissent parce que j'ai accompli la promesse de la vie éternelle. Et nous avons vu avec vous, premièrement, en parlant des promesses, il faut qu'on comprenne que les promesses en lui sont oui et amen. Important, quand on parle de la renommée de Jésus-Christ, il faut qu'on comprenne dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, ne dort pas, pourquoi la renommée de Jésus? Comment est-ce que, qu'est-ce qui caractérise la renommée sanctifiée de Jésus-Christ? Tu comprends que le faux prophète ne peut pas avoir. Il ne peut pas avoir la renommée sanctifiée de Christ. La Bible dit que car pour ce qui me concerne, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. Tu comprends? C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. L'amen par lui. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il va nous sanctifier. C'est la sanctification qu'il nous fallait pour aller au ciel et pour ne pas aller au feu éternel. Alors, on attendait celui qui est capable de vaincre la loi et de l'accomplir en nous donnant le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs pour qu'on soit saints. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, est-ce que le faux prophète, où tu parles, il ne croit même plus? Je parle du faux pasteur et du faux docteur. Tu comprends? Il ne croit même plus que la sainteté est possible. Je vous dis la vérité. Le faux prophète, le faux enseignant, le faux docteur ont renversé le témoignage. On chante alors quoi? Si on est encore dans nos péchés, si la sainteté n'est pas possible, alors il n'y a pas de louange. Jésus n'a pas de réputation, il n'a pas de renommée. La Bible dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Regardons d'abord cette promesse et puis on va revenir sur l'assurance ferme que le Saint-Esprit nous demande d'avoir en lui. Tu comprends? C'est nous qui le glorifions. Et il dit qu'il est glorifié en nous. Tu vois? La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 25, que la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Tu comprends? La vie qui est éternelle. Donc, l'âme.
qui pêche n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de sainteté. Tu comprends que Jésus-Christ doit nous donner, qui est sa vie même. C'est la vie de Jésus qui est éternelle. En dehors de la vie de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Donc la vie là, c'est lui qui l'est pour nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que pour moi, vivre c'est Christ et Christ est ma vie. Tu comprends? La vie éternelle, c'est Christ que nous mangeons et c'est par lui que nous vivons. Comme il a dit, celui qui me mange vivra par moi. Celui qui me mange vivra par moi. Tu comprends? Donc, tu comprends qu'il faut absolument rechercher le Seigneur Jésus-Christ pour entrer avec lui dans la gloire éternelle. Donc, entrer avec lui dans le lieu très saint. Voilà. Entrer avec lui dans le lieu très saint. Donc, il dit que la promesse, c'est la vie éternelle. Hein? La vie éternelle qu'il nous a donnée. Donc, cette vie éternelle, c'est lui-même. Donc, il doit l'accomplir. Le miracle de la sanctification pour que son nom, voilà, se répande. Voilà, dans son peuple. Dans le peuple qui est saint. Tu vois, très clair. Le Amen. Prononcé par lui. La promesse qu'il a faite, c'est de nous sanctifier. Tu comprends? Donc, on compte sur lui. La Bible dit que c'est la promesse, c'est pas la foi qu'on reçoit la promesse en lui. C'est pas la foi en Jésus. Tu comprends? Quand la promesse est accomplie, la promesse qui va accroître sa réputation. Tu comprends? Cette promesse-là, on va la voir profondément et on va comprendre que tout pasteur, tout prophète qui n'a qu'une réputation qui n'est pas celle de Christ est un menteur. Tu comprends? Voilà, il ne peut pas être amené le peuple de Dieu, voilà, au ciel. Très clair. La Bible dit que c'est Jésus. La Bible dit dans Hébreux 11, le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers, voilà, et passagers sur la terre. Je vais lire au verset 12. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer. Donc, ce n'est pas la foi en la promesse. Quand tu parles au verset 11, tu vas voir que la Bible dit que ce n'est pas la foi que Sarah, voilà, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Donc, David de Tède, il a dit que le Seigneur est fidèle. La fidélité, je célèbre ta fidélité, et parce que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Voilà que la Bible nous dit de l'autre côté que Sarah avait la foi et elle a en celui qui est fidèle, qui va accomplir la promesse. Donc nous sommes le résultat de la fidélité, tu comprends, et de l'accomplissement de la promesse de Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit que ceux qui ont la foi, ce sont eux qui sont enfants d'Abraham. Tu comprends, le résultat de l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est la sanctification. Donc, on est sanctifié, on est peu, on est humble, on a l'image de Christ, tu comprends? Ça, l'homme ne peut pas faire. Donc, quand les chrétiens viennent et ils célèbrent Jésus-Christ dans la sainteté, tu comprends? Pour le miracle qu'il a fait, la fidélité de Dieu marche avec l'accomplissement de sa promesse. Aujourd'hui, tu parles, est-ce que tu as le témoignage de Jésus-Christ? Regardons, ne dors pas. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, parlant de l'accomplissement de la promesse. Ta renommée s'est accrue. Donc, on parle de Jésus par l'accomplissement de la promesse de la sanctification qui est la vie éternelle. Tu comprends? Il dira au dernier jour, retirez-vous de moi, maudit, vous qui commettez l'iniquité, et venez à moi, le béni de mon Père, qui avait lavé vos robes dans le sang de l'Alliance. Vous êtes blanc, irrépréhensible. Voilà le témoignage, voilà l'accomplissement de la promesse. La Bible dit que le Dieu de paix, allons d'abord dans le livre de
Ézéchiel ne dort pas, on parle de la réputation de Dieu, ou la renommée de Dieu, ou bien la renommée du diable. Tu comprends? C'est quand renommée, tu chantes un Dieu qui n'accomplit aucune promesse. Tu es dans le péché. Le faux prophète, il prêche la prospérité. Quelle est la promesse que Jésus-Christ a accomplie pour que tu sois populaire? Quelle est la réputation de ce Jésus qui n'a fait aucun miracle? Tu comprends? Rien. Aucun miracle de la sainteté. Donc, il n'a pas de réputation. Parce que, quelle est la promesse? Voici la promesse qu'il a faite dans le livre de Ézéchiel 36. Il dit que je répandrai, verset 25, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Voilà la promesse. Il dit qu'il va purifier de toutes les idoles, de toutes les souillures. La Bible nous dit que c'est lui pour accomplir la promesse qui est venue avec l'eau et le sang. Et puis le Saint-Esprit pour accomplir la promesse de sainteté. Tu comprends clair? Quand tu fais un vrai chrétien, tu reconnais, il n'est pas taché de vêtements sales. Non. La Bible dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Regarde que c'est au futur. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous quoi? Qui? Un esprit nouveau. J'ôterai. Donc, je mettrai un esprit nouveau. Je donnerai un cœur nouveau. Parce qu'on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles outres. Donc, je vais d'abord enlever le cœur de pierre. C'est la crucifixion. Voilà le témoignage. Voilà la promesse. Il dit que je vous donnerai un cœur de chair et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Très clair. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui, qui dit qu'ils ont les grands pasteurs, ils ont les grands docteurs, ils ont les grands prophètes, ils sont incapables de mettre en pratique la parole de Dieu. La Bible dit que ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Combien de personnes, quand tu pas regarder les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs, les ambianceurs. Voilà très clair. Combien de personnes qui les écoutent, qui sont dans leur foule, dans leur rassemblement, mettent la parole de Dieu en pratique, la parole de Jésus. Tu comprends? En pratique, ils ne peuvent pas, tu comprends? Renoncer à eux-mêmes, porter leur croix tous les jours de leur vie et suivre Jésus-Christ. Ils veulent tous gagner leur vie, alors que Jésus a dit, celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Ça veut dire que si tu veux gagner ta vie, tu vas rester avec le cœur de pierre. Voilà ce qu'il veut dire. Donc, la promesse ne sera pas accomplie. Par conséquent, ma renommée ne peut pas s'accroître. Donc, il n'y aura pas de réveil. Tu comprends? C'est le faux réveil. S'il y a un réveil qui vient là-bas, ça sera le réveil du faux prophète avec le vieux cœur, tu comprends? Au lieu d'avoir le cœur nouveau. Donc ça, c'est le vieux cœur. Ce n'est pas le cœur de Jésus. Il dit que je te célèbre de tout mon cœur. Et il dit que je chanterai ton nom parmi mes frères. Donc Christ chante. Christ ne peut pas chanter la maison et la voiture du monde. Tu comprends? Il ne peut pas chanter ça. Les anges ne peuvent pas chanter les maisons et les voitures. Les anges ne peuvent pas célébrer Dieu parce qu'il t'a donné une maison sur la terre et une voiture. Alors que tu pars dans le feu éternel avec toute la terre. Tu comprends? Donc ici, il y a un mystère. Si ton cœur n'est pas changé, alors tu vas être enterré dans la popularité du faux prophète. Est-ce que tu comprends? Très clair. C'est pourquoi le cœur est sur la terre et puis ça semble ceux qui veulent gagner la vie sur la terre et ils empêchent à Jésus d'être populaire. Le faux prophète vient alors, il prend le nom de Jésus, le mot de Jésus, le mot Jésus, il prend ça et il dit que gardez vos cœurs comme c'était avant, avec vos idoles, avec vos priorités. Tu comprends? Ce que vous voulez, avec votre volonté, avec vos je veux, il me faut, j'attends qu'il me donne telle chose, ce que lui attend. Tu ne peux pas faire. Tu es là pour faire ta volonté. Voilà où commence le mystère de la fausse
renommée, la fausse réputation dont la promesse ne s'accomplit pas dans la vie de telle personne. La promesse qui fait que le nom de Dieu, que la réputation de Jésus s'accroît au ciel. La Bible nous dit, on va aller voir le faux prophète bientôt. Oui, finissons un peu avec Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, donc que le Dieu de paix accomplisse la promesse, tu comprends, afin qu'il soit renommé, tu comprends, en vous, et par vous, dans le monde, la sainteté, la pureté, tu comprends, obtenue par la crucifixion du cœur de Pierre, et par la résurrection du cœur de chair. Donc on est ressuscité avec Christ dans Colossiens 3, et on s'affectionne aux choses d'en haut, dont les choses de la terre ne comptent plus pour nous, c'est la boue. Donc le docteur qui a la parole et qui parle dans la parole pour promouvoir le monde, il ne connaît pas Jésus, tu comprends? Il ne peut pas connaître Jésus, c'est impossible. Celui qui veut gagner sa vie sur la terre, la perdra complètement. Vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, faites-vous des trésors au ciel. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Ça, ils ne peuvent pas. Pour avoir le cœur du ciel et être un vrai adorateur, pour que la réputation de Dieu soit connue, ils ne pourront pas. Par conséquent, comme ils ne veulent pas la crucifixion, le Seigneur se retire et il les laisse avec le mensonge. Et ils ont le cœur exercé à la cupidité, à la rivalité, à l'élévation. Et c'est comme ça que le faux prophète les malmène. Regardez, que le Dieu de paix vous sanctifie. Et que votre âme, corps et esprit soient conservés, irrépréhensibles. Regardez la promesse. Pour que ton corps, ton âme, ton esprit soient conservés, irrépréhensibles, il faut le miracle, l'accomplissement de la promesse. Tu comprends? Il faut qu'il vienne, comme il a dit dans Ézéchiel, qu'il va te donner le cœur nouveau, il va te donner le Saint-Esprit, il va faire que tu obéisses à ses commandements. Tu comprends? Comment il va faire? Voilà, voilà la promesse. Est-ce que c'est ça là-bas où tu pars? S'il n'a pas accompli ça, il n'y a pas de popularité, il n'y a pas de réveil. Tu comprends? Les gens partent tous les jours, les chrétiens là, partent tous les jours dans le feu éternel. Et ils disent que tel pasteur, tel prophète, tel docteur, tel enseignant, les fausses doctrines qui ne partent nulle part. Regarde, il dit que votre corps soit conservé, irrépréhensible. Et il dit ceci. Écoute, David connaissait ce qui fait la réputation de Dieu. David a dit que celui, regardez ce que l'Esprit dit, celui qui vous a appelé est comment? Est fidèle. Tu comprends? Voilà ce que David a dit. Et il dit que c'est lui qui le fera. Donc, tu comprends, c'est dans la sanctification du peuple de Dieu que Jésus-Christ, la réputation de celui qui est saint, tu comprends, ascende. Tu comprends, c'est ce que Jean-Baptiste voulait dire, qu'il croisse, que celui qui sanctifie monte et que tout chair fasse silence. Voilà la vraie réputation. Qu'est-ce qu'il a fait? On le connaît comment? Pourquoi vous applaudissez? Pourquoi vous attendez la star, si vous voulez qu'on appelle comme ça, l'étoile brillante du matin? En quoi se singularise-t-il des autres étoiles? Celui-là que tu vois, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Hey! Alléluia! Frère, soeur, le frère ne suit plus le pasteur là. Tu comprends? Les menteurs, tu n'auras jamais le cœur nouveau. Ton cœur sera toujours. Jésus a dit que si on te gifle la gauche, que tu montres la joue droite. Tu connais un pasteur comme ça? Tu connais quelqu'un qui les gens qui ont le réveil là, le faux réveil de maman et le réveil du diable, la cupidité. Est-ce qu'ils peuvent t'enseigner? Qu'est-ce que quand tes chiffres, tu lui montres l'autre jour? Que si quelqu'un veut prendre ta tunique, tu lui donnes encore ton manteau? Si quelqu'un veut prendre ton terrain, tu l'aides encore à construire? Hein? Ils peuvent te dire comme ça? Non, ils peuvent pas. Le degré de sainteté qu'il te faut pour aller au ciel. Alors, quelle est la réputation qu'ils ont? Ça n'a pas de promesse accomplie. C'est une fausse réputation. Tu vois, la Bible dit que celui qui t'a appelé est fidèle. David a dit que tu es fidèle. Je te connais. Ta fidélité et ta bonté. Tu comprends? Et ta renommée s'est accrue à cause de ta fidélité.
vérité parce que tu accomplis toujours ce que tu as promis. Où est ma sainteté sans laquelle je ne verrai le Seigneur? Pourquoi je vais suivre ce pasteur populaire? Et tous les jours, je l'écoute et mon cœur est toujours sur la terre. Je suis incapable de tout laisser pour me consacrer à Jésus. La parole qui sort de lui m'empoisonne. D'où lui vient sa popularité? D'où vient sa popularité? Parce que Christ n'a pas accompli la promesse en moi. Pourquoi toutes les personnes qui le suivent, leur cœur est toujours dans le monde? La popularité là est du faux prophète qui lutte contre le témoignage de Jésus. Il n'a pas fait le miracle de la sanctification. Pourquoi est-ce qu'il est populaire? Quand on partait chez Jésus, on disait, voici celui qui a fait tel, il a ressuscité, donc il a donné la nouveauté de vie à Lazare. Voilà ce que ça veut dire. Tu comprends? Il nous a donné d'être une nouvelle créature. Les miracles vrais, pas mensongers, préfiguratifs de la sainteté. Jésus ouvre les yeux des aveugles physiquement pour montrer que spirituellement, il peut ouvrir les yeux et qu'on voit Dieu. Il peut donner le cœur pur pour qu'on voit Dieu. Donc, il peut créer un homme nouveau qui n'est pas aveugle. Voilà ce que veut dire le miracle de Jésus. Tu comprends? Il faut faire attention. Quand il ouvre les oreilles de sourds, il est en train de dire que l'homme nouveau que je vais créer, il ne sera pas sourd. Il va entendre la parole de Dieu à partir du cœur qui est bon. Tu comprends? Quand il fait marcher les paralytiques, il est en train de dire que je vais créer un homme nouveau qui peut marcher par l'esprit. Tu comprends? Voilà ce qu'il m'a dit. Parce que l'homme naturel n'a aucune de ses habiletés. Donc il n'était pas là pour faire les miracles morts qui ne préfigurent rien. Voilà pourquoi ils trompent là-bas, ils prennent les fraudes. L'enseignement de Jésus, ce n'était pas pour le bonheur de l'homme naturel, mais son enseignement, c'était pour le bonheur de l'homme spirituel, du nouvel homme. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les plaisirs anciens sont passés. Voici toutes les choses sont devenues tout. Mais il me dit, pense, toutes les choses sont devenues nouvelles. Je parle de la réputation du roi de gloire. Qui est-il? Celui-là, c'est lui qui peut ouvrir le livre scellé de cette sceau. Mon frère, c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui accomplit la promesse de Dieu. C'est pourquoi il est populaire. Il nous a sanctifiés. Il nous a enlevés du monde complètement. Avec ses souillures, l'argent, c'est la boue pour nous. Prends tout l'argent, prends tous les royaumes, prends toutes les maisons, prends toutes les gloires, prends tous les titres, c'est la boue pour nous. On ne part pas à l'église à cause de ta réputation. On ne part pas à l'église pour ta belle voix qui séduit les gens et qui fait rire. On part à l'église pour chercher le renommé, la populaire, le populaire, celui qui nous a sauvés, qui nous a ôtés du monde, celui qui parle et puis le miracle arrive, celui qui donne le cœur nouveau. C'est lui qui nous fait nous repentir. C'est lui qui fait qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Est-ce que c'est toi? Tu peux faire ça? Est-ce que tu prêches pour qu'on soit comme ça? Ou bien tu prêches pour qu'on parte dans le monde? Qui es-tu? Ta renommée n'est pas de Dieu. Il y a la renommée du faux prophète. Allons rapidement. On va lire un autre verset. Il y en a plusieurs. On va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Et puis le verset 8 à 9. Tu vas voir, on parlera encore de sa fidélité partout. C'est une promesse, il va l'accomplir. Il est tout puissant. Tu peux compter sur lui. Sa renommée est véritable, est sanctifiée. Il n'est pas le plus populaire pour que tu partes dans le feu éternel. La popularité de l'homme du péché, ce n'est pas la popularité de Jésus. La Bible dit, je vous exhorte, frère, voilà très clair. La Bible dit que voilà, je lis dans 1 Corinthiens, verset 1, tu ne dors pas, ma soeur, tu ne dors pas, mon frère, tu vas aller au ciel, tu ne veux pas être avec le faux prophète, le menteur, avec le faux pasteur, avec la fausse doctrine, avec la doctrine du lever.
leuven. Gardez-vous du leuven des pharisiens. Jésus t'avait avisé. Oui, garde-toi de la doctrine de la facilité. Jésus a dit, prends ta croix dans la souffrance. Et ils n'ont pas de souffrance. Oui, le faux pasteur, c'est comme ça, toujours pourri, toujours pour t'ambiancer. Alors que la souffrance éternelle, viens le voir quand il meurt. Il crie, il dit, maudit sois-tu, pasteur menteur. Tu m'avais eu dans le monde. Tu savais qu'il y avait le feu éternel pour toujours. Tu ne m'as jamais prêché la crainte de Dieu. Tu m'as menti, maudit. Toujours, soit c'est trop tard, il ne tue pas là pour rien. Il va te dire que j'étais eu, moi j'étais un démon, j'étais venu en chier pour te mentir. Tu croyais que je devais te laisser passer. Tu n'avais pas la Bible, tu n'avais pas lu qu'on ne suit jamais Jésus sans la croix. Tu n'avais pas écouté le message du pasteur Soma, mais tu le critiquais dans la chambre. Tu disais qu'il parle vite, tu disais que son message est comme ça, comme ça. Tu croyais que c'est moi qui t'inspirais. Tu ne t'es jamais repenti, point de ciel. Je t'ai livré, voilà, à mes désirs. Et tu es venu vers moi. Et maintenant, tu es perdu pour toujours. Toute ta famille, toute ta maison, tous tes amis, toute ta tribu, toute ta nation, toute la terre, vous allez adorer Satan. Voilà ce qu'ils disent. Hein? Quand ils t'ont eu, c'est quand tu meurs, comme ça, bam, quand tu ouvres tes yeux, quand ils se rendent compte que tu es mort. Et qu'on va t'enterrer, que ton cordon est coupé, c'est-à-dire que le cordon qui relie ton âme à ton corps. À ce moment-là, il dit, donc c'est fini. Les autres démons disaient que oui, ils ne peuvent plus, son temps est terminé. Alors, il vient la nuit, il dit qu'on t'a arrêté, c'est terminé. Tu me connais? Hey, pasteur tel, c'est toi, non? Oui, pasteur tel, c'était moi. Je suis le dragon, je suis venu à la terre pour vous séduire. Tu comprends? Pour vous tromper, vous qui aimez vos vies, c'est terminé. Maintenant, tu as vu ma face, mais tu ne peux plus rentrer pour dire que j'étais eu. Je vais continuer mon travail à le séduire. Je vais prendre ton visage. Je vais prendre ton visage pour aller dire à tes frères et à tes soeurs qui vivent dans le péché. Je vais te prendre le visage, je vais aller dans leurs rêves pour leur dire que tu es en train de leur demander de continuer à écouter mes messages. Oui, c'est ce que je vais faire. Tu es à moi. Je prends maintenant ta sueur et tout ce qui est ton sang et je vais te préfigurer. Je vais prendre les démons, je vais les envoyer aux fidèles là-bas. Tu avais une cellule de prière, ok. Je vais aller à la cellule là, je vais passer dans leur rêve, leur dire dans le rêve que toi, je vais devenir toi, je vais prendre ton image et je vais leur dire que je suis au ciel, oh, je suis au ciel. Écoutez le pasteur vraiment où on priait si vraiment lui qui nous enseigne la voie de gagner nos vies. Sur la terre, Jésus est vraiment miséricordieux. Jésus est vraiment bon. Je suis parti au ciel avec mon maquillage. Je suis parti au ciel avec mon pantalon. Je suis parti au ciel avec mes rivalités dans le cœur. Dieu n'est pas sévère, comme on vous disait. Je vais vous arrêter, vous tous. Dieu vous a livré un esprit de mensonge. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit ceci là, que de sorte qu'il ne vous manque de rien dans l'attente ou dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin. Écoutez, pour que vous soyez comment irrépréhensible, irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, il dit que Dieu est comment? Il est fidèle, lui qui vous a appelé. Tu comprends? Donc Dieu est fidèle. Donc il va accomplir. Ou alors l'accomplissement de la promesse aujourd'hui dans la vie des mondains qui sont à l'église. Le faux prophète va faire des ravages. Tu comprends? L'adoration du faux prophète, la population du faux prophète dans le livre d'Apocalypse. Il est populaire, mon frère, la fausse popularité. Donc quand on parle de la fausse popularité, on parle du faux prophète, on parle de l'adversaire, tu comprends, qui entre dans le temple de Dieu, qui manque qu'il est Jésus, qu'il est le Jésus de la bonté. Sa bonté, c'est l'argent de la terre.
sa popularité, c'est le miracle de la terre. Voilà où il prend sa popularité. Il attire la multitude à l'égarement. Il est prospère dans l'ouverture des nouvelles assemblées. Quand tu appelles quelqu'un, il te dit que notre église a maintenant 10 cellules de prière. Le feu prophète, tout le monde peut venir. Voilà comme il est. Et puis Dieu est miséricordieux, Dieu est bon. On ne lutte pas contre le péché parce que lui s'appelle l'homme du péché. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Il fait les miracles, mais il est dans le péché. Il est prêche, mais le péché dévastateur prend corps. Le péché dans l'église, l'abomination, la prostitution, dans toutes ses formes. Tu comprends? La cupidité, la convoitise de la chair, la convoitise des cieux. Convoitise du sexe opposé, basse en plein, ils sont complètement charnels, mais ils se multiplient avec la sémence corruptible, un terrible travail. Je vous dis, le péché dévastateur, la fausse popularité, tu comprends? Il va monter, la Bible parle du péché dévastateur, la réputation va aller comme la dévastation, tu comprends? Il va grandir, il va être populaire, il va être l'homme providentiel, tous les hommes vont l'aimer, il prêche bien, il parle bien, on le comprend, il est sage, il est éloquent, il a un art oratoire convaincant. Oui, c'est l'homme qu'il fallait. Tu es, mais ils sont toujours dans le péché. Ils ne craignent pas Dieu. Toujours dans le maquillage, toujours dans les rouges à lèvres, toujours dans les commérages, toujours dans les vols, dans les rivalités, dans les murmures, dans les querelles avec la mère, querelles avec le père. Mais ils disent qu'ils écoutent la parole de Dieu, les enfants damnés. La Bible dit que c'est l'homme du péché, le fils de quoi? De la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, élévation. Les enfants qui partent là-bas, écoutez le pasteur là, le faux docteur, c'est les personnes qui aiment l'élévation. Tu vas les voir si avec les gros costumes, le gros français. Oui, à la fin de l'église, c'est les grosses voitures qu'on montre, le gros français. On ne t'appelle plus frère dans les églises comme ça. On t'appelle docteur. Si tu as le doctorat, on t'appelle docteur ou on t'appelle le grand tel. Oui, on n'est plus dans l'humilité, le mystère de l'élévation, le faux prophète, la fausse popularité. La Bible dit que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, qui entre dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu, voilà très clair, c'est l'homme du péché, tu vois. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Tu comprends? Avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes sortes de séductions. Tu comprends? Oui, par le verbe. Voilà, ils ont la capacité, voilà, de parler pour séduire. Tu comprends? Ils se disent trafiquent des gens. Ils les séduisent. Ils les flattent. Ils disent qu'ils vont réussir auprès de personnes qui ont, voilà, qui aiment leur vie, qui n'ont pas l'amour de la vérité. Dieu les a envoyés un esprit de gardement. Tu comprends? Les faux docteurs, la fausse popularité, tu comprends? Qui ne vient pas de Dieu. 2 Pierre, chapitre 2, dit qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous de faux docteurs. Tu comprends? Les docteurs, ils vont dire qu'ils sont docteurs de la parole. Ils prêchent le levain. Ils prêchent le gain. Tu comprends? Le vrai Jésus dit que tu dois perdre ta vie de quiconque. Quiconque, pasteur, prophète, d'entre vous, tu comprends, ne renonce pas à tout ce qu'il ne peut pas, tu comprends, il dit que c'est lui qui voudra gagner, important, c'est lui qui voudra gagner, pasteur, prophète, évangéliste, c'est lui, tout le monde est dans le celui-là, c'est lui qui voudra gagner sa vie, la perdra une fois terminée, et ils vont venir avec le levain, tu comprends, pour vouloir gagner, ils vont rassembler ceux qui veulent gagner, ils vont travailler dans la loi de la misère, dans la loi de la faillite spirituelle. La Bible dit qu'ils vont introduire des sectes pernicieuses, voilà, et qui reniant leur maître, qui les a rachetés, voilà, rachetés.
n'était pas le sang. Ils vont pas vouloir le sang là. Ils vont vouloir le sang de la chair. Ils vont renier le témoignage. Ils vont mettre sur pied une fausse popularité. La popularité de la grandeur d'un homme. La marque de la bête, c'est le nom. Tu comprends? D'un homme. Tu comprends? Donc c'est l'homme qu'on va voir. Dans les églises là, ils viennent pour un homme. Quand ils entendent le nom de l'homme là, ils partent là-bas. Pas parce qu'ils veulent la sainteté, non. Ils se sont donné une foule de docteurs. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses faciles. C'est la foule qui a fait que Aaron fasse le vaudeur. Ils sont venus à Aaron. Ils ont dit qu'on veut le vaudeur. Ton Moïse est là. Ton Jésus là. Que tu prêches qu'il faut tout laisser pour le suivre. On ne veut pas. Je ne vais pas suivre la foule. Tu comprends mon frère? Tu comprends ma soeur? Je ne suis pas Aaron. Je ne vais pas faire le vaudeur. Je vais rester ferme avec mon âme. Mon butin, c'est mon âme. Tu comprends? Jésus dit que ne regarde pas derrière. C'est ton âme. Hey! Si tu perds ton âme, mon frère, si le diable arrête ton âme, tu vas regretter. Je te dis, continue à suivre les faux docteurs, continue à mettre leurs vidéos, tu vas diluer, tu vas entrer dans la rêverie. Ils vont te séduire, ils vont prendre l'apparence de l'évangile, ils vont commencer à te dire que le mensonge n'est pas bien. Quand je mentais, Dieu ne m'avait pas donné la promotion. Comme maintenant j'avais arrêté de mentir, Dieu m'a donné la promotion. Tu vas t'élever là-bas, tu dis, ah ça, c'est bien, je vais arrêter de mentir parce que je cherche la promotion. C'est vrai, le pasteur là, vraiment, regarde comment il prêche. Il prêche l'élévation. Il ne te prêche pas la sainteté. Tu comprends? On ne cherche pas à arrêter le mensonge parce qu'on veut devenir dans le monde. Ça, c'est la fausse sainteté. Ça, c'est le livret qui produit les épines. Tu comprends? Tu n'es pas sous le message. Il ne connaît pas la crucifixion. Quand on est crucifié, c'est Christ qui s'élève. Tu comprends? Très clair. Ce n'est plus nous. Le vieil homme est crucifié. C'est Christ en nous qui vit, qu'on doit voir. Donc, on parle de son témoignage pour que les gens viennent et être soient transformés. Et que maintenant, la réputation de Jésus s'accroisse en accomplissant la promesse qu'il nous a fait. Quelle est la réputation qui s'accroît alors que ton père part en enfer, alors que les chantresses de cette église partent en enfer, alors que le pasteur lui-même part en enfer? Il n'a aucune idée de la sainteté. Hein, ce n'est pas ça, la sainteté. Il t'avait trompé. Tu t'as dit que tu n'aimais pas la vie de sainteté, tu cherchais les œuvres à partir d'une mauvaise vie, tu ne connais pas Jésus, il t'a dit d'arrêter le mensonge, mais tu es encore dans la cupidité, tu veux gagner ta vie. Le péché te tient lié. Satan se moque de vous. L'apôtre Paul a dit, Christ est Christ crucifié. Donc ils vont trafiquer de toi au moyen de paroles doucereuses. La Bible dit que plusieurs les suivront. La popularité du faux prophète, tu comprends? La popularité des faux pasteurs, des faux docteurs, c'est donné par le faux prophète. Le levain, la semence corruptible. Je vous dis que personne des personnes qui suivait les gens là, n'est sauvé. Personne. Je n'ai vu personne. Aucun. Quand ils viennent, ils parlent, le monde a sang. Ils tordent la Bible. Ils te disent comment le bonheur c'est sur la terre, comment le Jésus-Christ a dit que tu vas devenir grand, alors que la Bible dit bien que Jésus-Christ a dit clairement que voilà, celui qui... Jésus a tout dit, voilà ce qui concerne le rejet de la gloire du monde. Dans la parabole de l'homme riche, et puis le pauvre Lazare, il a montré, et le père Abraham dit bien à l'homme riche, que sur la terre, tu as vécu une vie joyeuse et brillante. C'est-à-dire que Jésus n'avait pas tort. Lui qui a dit que si tu aimes ta vie, tu la perdras. Tu t'imagines? Le faux prophète, le faux pasteur, il t'amène à aimer ta vie sur la terre. La Bible dit qu'ils trafiqueront au de vous. Il dit que plusieurs le suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause de par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de quoi? Des paroles trompeuses. Un faux évangile qu'on a vu dans 2 Corinthiens 11. Le faux évangile, le faux Jésus, le faux esprit, ça a pris l'ampleur. Il y a quelqu'un qui était venu aux États-Unis, je crois, avec un mouvement, le Kingdom Now, le royaume maintenant. Ça fait
scandale. Moi-même, j'étais pris dans le mouvement-là. Il fallait nous voir à l'église. Tout le monde veut trembler. Il prophétise. Tout le monde voulait l'onction. Tout le monde veut devenir grand. Tout le monde veut le ministère. C'était le mouvement terrible qui a pris les hommes dans le royaume de Dieu. Ça emportait des foules en enfer. La prospérité. Il dit qu'on veut ça maintenant. Ils sont tous entrés dedans. Ils sont venus avec les dons mensongers. Il n'y avait plus d'humilité dans le camp de l'Éternel. La bête a pris complètement contrôle. L'élévation terminée. Jésus pleurait au ciel. Il dit, regardez, ils adorent le vaudeur. Ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas rester dans la souffrance, dans la croix. Un peuple qui n'a pas de croix. La Bible dit que, voilà, la Bible est claire. Donc, la Bible dit que la condamnation les menace depuis longtemps. Le faux prophète, on va prier. Réveille-toi, la bête, le dragon, le faux docteur. Il les envoie sur la terre. Ils sortent de l'eau. Ils montent pour venir, pour tromper les humains. Tu comprends? Le faux prophète ne dort pas. Apocalypse chapitre 13. Les faux pasteurs là. Tu comprends? Oui, qui ont le levain et qui réussissent dans le levain. Apocalypse chapitre 13. La Bible dit que puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes et deux cornes semblables à celles d'un agneau. Tu vois, semblable l'apparence. Tous disaient Jésus. Le pape va dire Jésus. Les pentecôtistes mondains et dans la chair charnelle vont tous dire Jésus. Je ne connais pas au moment je vous parle que peut-être une seule église ou deux, oui, qui sont dans la ligne de la crucifixion. Tout le reste est parti dans le mouvement de la bête qui monte de la mer, de la bête qui monte de la terre, des cimetières. Tu vois, ils ont l'autorité. Voilà, ils vont séduire. Toute la terre va aller après eux. Tu comprends? La Bible dit que et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image. Tous adorent leur image. Le siècle de l'image. On emploie l'image pour attirer les gens. Oui, la bête, c'est son système. Très clair, il part te voir un homme. Il part te voir. La Bible dit que c'est le nombre d'un homme. C'est-à-dire que c'est la chair. Ce n'est pas le culte de l'esprit. C'est le culte de l'homme qu'on met à l'autel. Donc, c'est ça qu'ils partent voir. Ils estiment l'homme là, puisqu'ils n'estiment Jésus. Tu vas lui donner la parole de Jésus. Il ne va pas prendre, mais il va prendre la parole de l'homme là. C'est comme ça la Bible dit dans Apocalypse 13 que voilà, et je vis l'une de ses têtes. On va prier. La bête que je vis était semblable à un léopard. Et les pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Ça veut dire que la chair va reprendre vie. Très clair, la chair va reprendre. On va oublier la parole qui crucifie la chair. L'église qui va être apostate. Les pasteurs-là, tous ces docteurs-là, ils vont amener l'église dans la joie. Femme, le maquillage là, regarde bien toi la femme là, tu remarques que tu fais encore la fellation au lit, tu regardes que tu as les positions pornographiques que tu avais encore dans le monde, tu sais très bien avec ton mari au lit, tu remarques que tu as encore les oralements au lit, tu comprends, on te tape même encore pour que tu t'excites dans les rapports sexuels, il faut qu'on te gifle, les fantasmes terribles, tu es parti, la chair, le plaisir, c'est-à-dire qu'ils sont emportés dans le fondement du péché, ils ne peuvent plus voir Dieu, tu es abusé par toutes sortes d'erreurs, tu ne peux pas être sanctifié si tu ne quittes pas l'église là, et tu ne quittes pas le culte de l'homme, regarde ici, la Bible dit qu'ils adoraient le dragon, et voilà très clair, la Bible dit ceci, que la terre, toute la terre était dans l'admiration, toute la terre, donc ce n'est pas une histoire de foule, où est Jésus ici, c'est toute la terre, et dans l'admiration, ouais, la popularité de Jésus. Tu vois là comment l'église est trompée avec l'histoire de foule. Ouais, la parole qui enlève ton cœur du monde pour faire que tu attendes Jésus et que tu attendes l'époux, l'enlèvement, le cœur au ciel. Ouais, ça, tu suis le faux prophète. Il a jeté la
vérité partait, mon frère, on va prier. La fausse popularité. La Bible dit clairement que voilà, dans Daniel chapitre 8, de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi. Le midi, c'est le nord. Le midi, c'est le septentrion. C'est la position d'autorité. Il monte là-bas, à l'église. Il va sembler, frère, terrible. À l'église, il faut bien écouter. Le mystère du lever, à l'église, il est populaire. Il est populaire. J'aime le pasteur là, il est populaire, mais depuis que je l'écoute, l'argent est toujours mon Dieu. Depuis que je l'écoute, j'ai toujours mes soucis. Depuis que je l'écoute, je n'attends pas Jésus, j'attends seulement le mariage. Depuis que je l'écoute, j'attends le travail. Depuis que je l'écoute, je suis moi le témoin de Jésus. Les enfants de la perdition, voilà ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il s'agrandit vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva, écoutez, je parle de l'élévation, elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, tu t'imagines, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et les étoiles, elle les foula, le levain, le mensonge, la contrefaçon de la parole. Frère, c'est terrible, parle avec les témoins de Jéhovah, ils vont te montrer dans les versets bibliques. Très clair, les choses qui sont fausses, corrompues d'entendement, à partir de la mauvaise vie. Va parler avec les enseignants de la prospérité là. Il n'y a rien à dire. Ils sont partis, ils ont la folle. Les applaudissements, c'est eux. Très clair, terminé. Il va jeter, regardez. La Bible dit qu'il fera tomber une partie des étoiles sur la terre. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Tu comprends? Voilà. Tandis que les chrétiens qui avaient tenu ferme, ils vont tomber, beaucoup vont tomber. Il se leva jusqu'au chef de l'armée, regardez, et lui enleva le sacrifice perpétuel. Je pleure. Quand j'entends ça, Jésus, je pleure. Il va enlever la doctrine de la crucifixion, mon frère. C'est prophétisé. Tu comprends? Sauve-toi pour ta vie, mon ami, mon frère, ma soeur. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière une religion, une église. Personne, sauve-toi pour ta vie. Donc, Seigneur dit que c'est lui qui lit. Fasse attention, il va arrêter la doctrine. On a écouté les témoignages à la conférence. On a dit que je ne veux plus la doctrine de l'engagement total envers Jésus. La repentance totale, arrêtez ça complètement. Que ça meure, toute la terre sera en moi. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qui le freine. C'est le Saint-Esprit, frère, à nous encore, pour qu'on soit enlevé. On est ceux qui combattent encore. Ne laisse pas la crucifixion, la mort de la chair, la mort du péché, la mort du moi, la mort de je veux, la mort de il me faut. Tu combats complètement. C'est la bête, frère. Il est terrible. Si tu arrêtes, tu vas tomber avant même de savoir. La Bible dit que, regarde bien, que voilà, il va se lever jusqu'au chef de l'armée, enlever le sacrifice perpétuel. Il va renverser le lieu du sanctuaire. La Bible dit quoi? L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel. Ça veut dire qu'il va tordre l'enseignement de la crucifixion. Il va mentir sur la signification de la crucifixion. Il va tourner ça que c'était le gain dans le monde. Quand Jésus-Christ est mort pour qu'on devienne riche sur la terre. Frère, terrible mensonge. Ouais, frère, terrible. Il va tourner la parole. Il va faire que le mensonge devienne vérité aux yeux des perdus. Ça sera terrible. Ça va dire que tu vas écouter le mensonge qu'il faut gagner ta vie. Et tu vas dire oui, amen. Il va devenir le faux amen. La fausse popularité, le faux Jésus, c'est un mystère. Il va arrêter beaucoup de gens. Ne compte jamais sur la foule. Le Saint-Esprit a prophétisé que peu nombre, toute la terre va partir après lui. Frère, sauve-toi pour ton âme. La Bible dit ceci, que la mer fut livrée avec le sacrifice, voilà perpétuel, à cause de quoi? Du péché. Alors
Donc nous on lutte contre le péché jusqu'à la dernière goutte du sang. Tu comprends? On lutte contre le péché dans le message, la crucifixion, la haine des passions et des désirs. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. C'est là où on attend la vraie renommée, la vraie réputation de l'accomplissement de la sanctification. Car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Tu comprends? Voilà ce que nous on prêche. On est dans la vérité en ce temps-ci, maintenant. Montez ou descendez. C'est la vérité qu'on prêche, la mort du péché. Au dernier jour, je vais me lever avec Jésus dans la sainteté. Et ces paroles que j'ai prêchées vont partir parler que mon fils, tu avais dit la vérité. Tu vas briller comme le soleil. Celui qui a enseigné la justice aux hommes, ce qu'il fallait faire sur la terre, renonce à tout ce que tu possèdes pour t'appliquer au salut de ton âme éternellement. Au moins une fois, tu ne viendras plus jamais sur la terre pour arranger ton éternité. Saisis la vie éternelle. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Celui qui trouve le trésor vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Tu dis que c'est le mensonge. Tu peux suivre les faux prophètes parce que tu veux écouter les faux enseignants, parce que tu veux écouter les choses sucrées. La démangeaison, frère, que Jésus t'aide, je me sauve pour mon âme, mon frère. On attend au dernier jour si c'est la parole de Jésus qui va tenir, ou bien la parole de ton pasteur populaire, ou bien de ton prophète populaire. La fausse popularité, la Bible dit qu'à cause du péché, la corne jeta quoi? La vérité partait. Hey, mon frère! Hey, ma soeur! On est en train de vivre la prophétie véritable de la parole. Il va jeter la vérité par terre. Regarde ta vie. Regarde la vérité qui te parle. La seule personne qui a dit qu'il est la vérité, c'est Jésus. Mais regarde comment ses paroles sont jetées par terre. Ça n'a pas d'importance. Crie comme un chien. Aboie comme tu veux. Ça, c'est ton problème. Moi, c'est ma vie dans le monde. Je vis comme je veux. Jésus, je t'aime. Attends, tu vois. Non, Jésus. Peut-être que des mots vont lire les témoignages des soeurs, des maquillages, des pantalons. Et de Jésus, je t'aime. Comme elle disait Jésus sur la terre, mon doux Jésus, tu es bon, tu m'aimes. Je savais que tu avais un appel pour moi. Mais le jour-là n'était pas encore venu. Tu m'as pris trop tôt. Donne-moi encore une chance pour entrer au monde. Jésus te regarde et dit, femme, tu es maudite pour l'éternité. Tu ne sortiras plus jamais de cette place. Je suis mort pour toi. Tu as jeté ma mort par terre. Tu t'es moqué de mon père qui voit dans le secret. Tu as épousé le dragon. Tu as aimé la chair. La chair t'a vaincu. Tu vivais dans les passions et les désirs. C'est terminé pour toi. La Bible a dit qu'il va jeter la vérité par terre. Et une mauvaise nouvelle encore avant qu'on ait pris. La Bible a dit qu'il va réussir. Hey! Quand quelqu'un réussit dans le monde, il a les foules qui le suivent, les gens qui le suivent. Oui, c'est un grand pasteur, c'est un grand homme de Dieu. Où est le témoignage? Où sont les disciples qui le produit? Pour être un disciple, il faut que tu détestes ta vie, que tu renonces à tout ce que tu possèdes. Luc 14, verset 33. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple, le populaire, le pasteur populaire. Où sont ses disciples qui ont tout laissé pour s'affectionner aux choses d'en haut? Si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Jésus n'a-t-il pas dit que là où est ton cœur, là où est ton trésor? Jésus n'a-t-il pas dit que amassez-vous des trésors ciel? Qui ment, c'est la vérité qui ment maintenant. Voilà ce que la Bible prophétise. Il va jeter la vérité par terre. Et puis c'est le mensonge qui sera l'autel. Frère,
Jésus dit que quand c'est lui qui lit, fasse attention. Quelle popularité! Ouvre ton micro, mon frère. Ouvre ton micro, ma soeur. C'est une minute seulement de prière. Prends le vol, mon ami, dans la prière. Parle à Dieu. C'est l'heure de prier. Tu ne veux pas partir avec le faux prophète. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. La séduction. Oui, mon frère. Va jeter la vérité. Partez. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de parler à Dieu. C'est l'heure de demander la grâce de Dieu. Parle à Dieu. Une minute de prière. Une minute de prière. Une minute de prière. Je ne veux pas aller avec le faux prophète. Seigneur Jésus-Christ, je vais aller au ciel. Je vais aller avec toi pour toujours dans le royaume des cieux, dans la vérité. Seigneur Tout-Puissant, aide-moi. Le faux prophète a jeté ta doctrine par terre. Il a jeté la vérité, la fausse renommée, la fausse popularité. Écoutez, parle à Dieu. Tu ne veux pas aller avec lui, avec la bête. Tu ne veux pas la fausse popularité. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Parle à Dieu. Oui, Seigneur. Ouvre le micro. Ouvre le micro. Je n'ai pas le micro, mais sur Skype, ouvre le micro. C'est l'heure de prier. De parler à Dieu. C'est l'heure de contribuer. Par la prière. Dans la lutte. Contre le faux prophète. Contre les faux docteurs. Contre les faux pasteurs. Ouvre ton micro. Entre dans le canal de la prière collective de l'église. Pour que Christ règne, pour que Jésus règne. Hey, Jésus règne, il règne, il règne. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Prie mon frère, il règne. Oui, mon frère, la résurrection et la vie, la résurrection. Jésus, la résurrection et la vie. Prie mon frère, la résurrection. Oui, Jésus Christ, vainqueur dans l'eau, la crucifixion. Christ est crucifié, le monde est crucifié, on est dans le combat, dans la gloire de Dieu. Oui, mon frère, le sacerdoce reste à Jésus. Oui, mon ami, la nouveauté de vie, c'est l'heure de prier. La fausse popularité, c'est l'heure là, c'est l'heure, la fausse popularité est tombée, ça ne va pas te séduire. Oui, mon frère, oui, ma soeur, oh Jésus, la résurrection et la vie, frère, frère. Oh Jésus est la résurrection et la vie, l'autorité vainqueur qui a renversé la corruption. Oui mon frère, il va freiner le faux prophète, il va freiner l'iniquité, il va freiner l'erreur. Prêt pour que Jésus règne, prêt pour que la parole règne, prêt pour que la vérité règne. Oh, nous attendons ta venue dans la gloire, nous comptons sur ta promesse. Il a promis, il est fidèle, la sainteté. Hey, alléluia, dans les lieux très élevés, dans les lieux de sainteté, gloire à Dieu, Jésus a manifesté la sainteté au milieu des ténèbres, au milieu du monde, au milieu de l'obscurité, la lumière brille, Jésus est fort, presque vainqueur, le roi de gloire, la force éternelle. Hey, élève-toi dans l'adoration, élève-toi dans la renommée qui est sainte, Jésus, sainte. Ta nouvelle aurore, c'est ta vie qui a sur l'eau. Tu as prié. Ma soeur, tu es en train de lutter dans la prière. Contre l'erreur, contre la fausse sémence, tu bloques l'avancement de la fausse sémence. Tu résistes le diable jusqu'à la dernière coutissante du mensonge. Pas de chair, pas de lever dans le territoire de Jésus, dans l'église de Jésus, dans l'église qui va être enlevée. Pas de mensonge, pas de réveil, pas de tolérance, pas de péché. Ouais, jusqu'à la tunique souillée, pas de péché, pas le monde, zéro, 100%. Jésus fait du 100%. Fais prix, tu es un jeune, tu es un jeune. Le deux, par la prière. Ma soeur, lutte par la prière. Lutte par la prière, c'est l'heure de prier. C'est l'heure d'ouvrir le micro. Les guerriers, les soldats, vos micros sont fermés. Ouvrez le micro, c'est l'heure de prier, que les prières paraissent, une minute de prière, une minute de prière, une minute de prière. Merci Seigneur, merci Seigneur.
à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration. Oh, alléluia, la résurrection est lavée. Sois béni, Jésus-Christ vainqueur. Merci pour la semence incorruptible, la parole de vérité, de justice, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, éternel des armées. Amen. Amen. Merci Dieu. Merci Dieu. Amen. 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 Les gens de Skype, vous bloquez vos micros. On est en train de prier, vous bloquez les micros. Vous ne participez pas. Il faut que la puissance de la prière qui est faite après la parole, qui purifie le cœur, la prière là est forte parce qu'elle sort du cœur. Elle est ordonnée par le Saint-Esprit. Bon, mais il faut ouvrir les micros pour que vos prières sortent ici. Vous bloquez les micros et puis bon. Quand on va vous saluer, vous débloquez les micros. Mais il faut ouvrir la prière collective. Et toutes les prières qui sortent là-bas ont un apport. Et le Saint-Esprit vous laisse prier parce qu'il connaît dans combien de siècles, si tarde, les gens qui vont toucher dans le message, si par la prière que vous êtes en train de faire. Donc ne regardons pas dans le temps présent. Le Saint-Esprit est omniscient, hein, pour nous utiliser.